Chers amis, WrestleMania 10 approche à grands pas. Alors, je vous ai parlé la semaine dernière de les grandes finales. D'ailleurs, vous avez d'un côté Lex Luger, qui a gagné le pile ou face, va affronter le champion en titre Yokozuna. Le gagnant de ce match va affronter Bret Hart. Alors, nous savons déjà que Bret Hart va déjà avoir catché en soirée contre son frère Owen. Une situation qui pourrait être très dangereuse pour Bret Hart, car on connaît la rivalité qui existe entre Owen et Bret. Owen va sûrement tenter de, si vous voulez, estropier Bret dans son règlement de compte. Alors, est-ce que Bret va être à 100% pour le match contre soit Lex Luger ou Yokozuna? Ça sera à voir. Également au programme, Men on a Mission affronte Jacques et Pierre, les Co-Backers. La semaine dernière, nous avons entendu quelques déclarations des Co-Backers qui se moquent quelque peu de Men on a Mission. Mais il faudrait faire attention de ne pas montrer un excès de confiance, car ça pourrait jouer un vilain tour. Également, nous avons vu qu'un match qui a été signé entre Savage et Crush, dont le tombé va compter n'importe où dans le building, et je vous en reparlerai un peu plus tard de ça. Alors, un peu plus tôt, j'ai eu l'opportunité de parler avec Crush et Fuji, et je leur ai demandé, pourquoi pensez-vous avoir l'avantage dans ce match à WrestleMania 10? Ray, let me say this for you, brother, nice and slow. And I want you to translate word for word what I say, so all those French-speaking morons can understand where Crush is coming from. Say that, brother. Alors, il veut parler bien lentement, car il veut que je traduise fidèlement ce qu'il va dire. Go ahead. The reason why I have the advantage for you idiots watching on is take a look. I'm bigger, I'm stronger, I'm more powerful, and I'm way more vicious. Alors, il prétend être plus gros, plus puissant et plus vicieux que le Macho Man Randy Savage. C'est ce qui lui donnerait l'avantage. And what else? The Macho Man is one of the greatest wrestlers of all time the World Wrestling Federation. I will give him that. But I am the greatest. And in WrestleMania 10, I will prove it. Alors, il reconnaît que le Macho Man Randy Savage est un des plus grands catcheurs dans l'histoire de la WWF, mais Crush prétend être encore supérieur au Macho Man et il va le prouver à WrestleMania 10. Now, you know that after the fall on the outside of the ring, you have to get back into the ring before the referee counts to 10 or else you're out. That's right. If I feel I haven't punished him enough to end his career, I'll throw him over my shoulder, carry him back myself, just so I can take him out and pound him some more. Alors, on sait que pour gagner le match, une fois que le tombé aura lieu, l'arbitre va faire le compte de 10, et si le catcheur ne remonte pas sur le ring avant le compte de 10, c'est là que le match va se terminer. Ouais, mais franchement, je le trouve pas mal insolent, Crush. Il n'a aucun respect pour personne, et personnellement, je souhaite que le Macho Man lui fasse toute une correction à WrestleMania 10. Ça sera bien mérité pour toi, Crush. Peut-être à l'avenir, tu penseras avant de parler. Bienvenue, chers amis. Alors, je vous parle encore une fois de ce match qui a une stipulation tout à fait spéciale. La chute, le tombé, va compter n'importe où dans le Madison Square Garden. Alors, c'est pour WrestleMania 10, bien évidemment. Le match est entre le Macho Man Randy Savage et Crush. Maintenant, nous savons, comme je disais, le tombé peut compter n'importe où dans le building. Alors, le match pourra se poursuivre à l'extérieur du ring. En fait, les règlements, ce qu'on a fait, on les a mis de côté. Tout est permis. On peut continuer le match aux abords du ring, dans le ringside, dans les estrades. Lorsqu'il y aura un tombé, l'arbitre descendra en bas, comptera l'adversaire au plancher pour le compte de 3. Après ça, l'arbitre compte jusqu'à 10. Le catcheur qui ne pourra pas remonter sur le ring avant le compte de 10 perdra le match. Alors, ça amène une situation très dangereuse, si vous voulez. Il faut quasiment terminer peut-être la carrière d'un adversaire pour gagner ce match, car il faut l'empêcher de remonter sur le ring après qu'il ait déjà été battu. Alors, le but peut-être de ce match, c'est d'estropier l'adversaire. C'est à y penser. Ça fait réfléchir quelque peu, car il y en a qui prédisent que Crush aura l'avantage dû à sa jeunesse et sa puissance. Par contre, il ne faut pas sous-estimer l'expérience du Macho Man Randy Savage. Alors, un peu plus tôt, j'ai discuté avec le Macho Man Randy Savage et je lui ai demandé qu'avec ce match, il pourrait mettre sa carrière en jeu. Voici ce qu'il m'a répondu. Yeah, I thought about it, but it's a very special anniversary, WrestleMania 10. You got to understand, Raymond Rougeau, and I'm willing to put it on the line.
Alors oui, il a réfléchi, il sait que c'est sérieux, que sa carrière est en jeu, mais pour WrestleMania 10, il est prêt à prendre le risque. All right, Randy, you know that Crush is going to do everything in his power because he does not respect you. He's going to try to end your career in this match. He's already proved that to me, Raymond Rougeau. You got to understand that. I know what I'm in for, but I am going to deal with it the best way that I know how, and that's straight ahead at WrestleMania 10. Alors, pas de détour pour le Macho Man Randy Savage. Il est très conscient que Crush va tout faire dans son pouvoir pour terminer sa carrière à WrestleMania 10. You know, this is going to be grueling because it's going to go on until somebody cannot make it back into the ring before the count of 10. Exactly, and I'm going to tell you who that person is going to be. It's going to be you, Crush. You're going to be the one that can't make it back into the ring before the count of 10. And I'm going to beat you and whoop you. The only question is, how many falls is it going to take? I may beat you 30 to zip. You understand? Alors, il est très conscient que pour battre Crush, il va falloir qu'il batte peut-être plusieurs fois. Mais une chose certaine, il envisage une victoire à WrestleMania 10, car on sait que pour gagner, il faut que l'adversaire ne soit pas capable de remonter sur le ring avant le compte de 10. Alors, un match très dangereux, peut-être un match qui terminera la carrière d'un des catcheurs. Le Macho Man, très conscient du danger qui l'attend dans ce match à WrestleMania 10, un match qui pourra terminer soit la carrière de Crush ou de Macho Man Randy Savage. Alors, ça se passe à WrestleMania 10, ce printemps 1994.